De toute façon, moi j'avais peu de temps, mais j'ai l'habitude de ces situations. C'est-à-dire que, vous savez, quand on est entraîneur professionnel depuis des années, qu'on a une grande expérience, ça a l'avantage de trouver les solutions assez vite. Mais j'ai eu la chance d'avoir un groupe et des joueurs remarquables qui m'ont aidé dans ma tâche et qui ont adhéré totalement à ce que je leur demandais. Après, j'ai vu qu'il fallait mettre un petit peu de peps devant, un petit peu de vitesse. Aouk était bien, Unajem en pleine forme. Derrière, Guederin, vous l'avez vu aujourd'hui, hein, je veux dire, c'est un joueur d'avenir. Naïri est très bon aussi, hein, mais il était un peu fatigué, comme vous dites. Votre analyse est très juste. Donc, il fallait faire un peu de turnover et pas toujours rester sur la même équipe. Et puis, il y a quand même au milieu de terrain nos vieux briscards, là, le trio, je dirais, Nakache, Saïdi et El Karti. Je veux dire, faire mieux que ça, c'est difficile. Hein. C'est un rouleau compresseur, ces trois joueurs. Voilà. Et puis, devant, avec ces joueurs, et derrière, avec ce sérieux, avec ces jeunes joueurs qui sont rentrés, je pense que c'est un bel équilibre pour l'avenir du WAC.